Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo sur les égalités des fractions. Alors, donc, pour trouver une fraction égale à une autre, on peut tout d'abord multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc là, par exemple, 4, on va multiplier. Qui est le numérateur, on va le multiplier par 6. Donc, le dénominateur qui est 7, on va le multiplier aussi par 6. Du coup, ça nous donne 4 fois 6, 24. Et 7 fois 6, 42. Ça nous donne 24 sur 42. Voilà. Ensuite, on peut aussi diviser le numérateur par le dénominateur. Par exemple, on a 12 sixièmes. Alors, on va dire 12 huitièmes plutôt qu'on a. Donc, on va diviser le numérateur de dénominateur par 4, comme on va diviser le numérateur par 4. Voilà, je fais un par de fraction. Donc 2 divisé par 4 ça fait 3, et 8 divisé par 4 ça fait 2. On obtient 3 demi. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a simplifié notre fraction. Donc, des fractions égales sur des fractions aussi qui ont le même quotient. Donc là, je vais taper à la calculatrice. 9 cinquième. Là, j'obtiens 1,8. Et maintenant, je vais multiplier 9 par 5 et 5 par 5. Ce qui nous donne 45 25e. Et on obtient la même fraction qui est 9 cinquième. Ou plus précisément, comme quotient, 1,8. Donc, le quotient des fractions reste le même lorsque les fractions doivent être égales. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour ne rien manquer de tes futures vidéos, abonne-toi à la chaîne Mathématiques Sciences. Si tu as bien aimé cette vidéo, tu peux liker, commenter. Et voilà.